les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, parce que moi, très moyennement, regardez, je vous donne un indice. Regardez là-bas, je pense que vous voyez très peu, mais là-bas il y a Lily Rose. Et ça m'inquiète vraiment parce qu'elle est avec quelqu'un que je connais pas, elle est avec un inconnu. Et comment j'ai su qu'elle était là? Elle a fait une story sur son Instagram privé où elle a fait avec un ami, etc. Un ami secret, surtout prévenez pas mon frère et tout. Et moi en fait ce que je fais c'est que j'espionne son Instagram privé, elle le sait pas. Donc à mon avis après cette vidéo elle le saura. Mais du coup je suis vraiment inquiet parce que... Attendez les amis, on va essayer de découvrir qui c'est cet ami secret. Parce que, attendez, voilà pourquoi je m'inquiète. Parce que avant que ça soit les vacances, donc voilà, quand c'était encore le collège, etc. pour Lily Rose, elle s'est fait trahir par un ami qui est venu chez nous. Cet ami, il a pris des œufs, il les a jetés sur nos fenêtres, etc. Et cet ami ressemble beaucoup à la personne que je vois là-bas et que j'ai vue dans la story. Donc il faut un peu que je protège Lily Rose de ça. Parce que j'ai peur qu'il fasse encore n'importe quoi chez nous, quoi. Attendez, les amis, je me rapproche lentement. Hé hey voilà. Lily Rose, qu'est-ce que tu fais? Non mais Lily Rose, non mais... Mais de quoi, qu'est-ce que je fais là? J'ai vu ta story privée, reste là. Quoi? C'est qui le gars là? T'inquiète, on va en parler à la maison. Non, attends, viens par là, viens, tu vas me suivre. Non mais c'est un ami. On va aller le chercher, oui, j'ai vu ça dans ta story, je sais que c'est un ami. Mais moi je veux pas avoir de problème, hein. Non. Je crois l'avoir reconnu là, parce que bon, il a des lunettes de soleil, un bob et tout, on le voit pas bien. Mais il ressemble à l'ami là, avec qui tu t'étais embrouillé, celui qui avait jeté des œufs sur notre maison. Pas du tout. Celui qui nous cherchait des problèmes. Non, c'est pas lui. Attends, mais... Il est où? Eh oh! Non mais il est passé où? C'est pas possible! Il a pas... Non mais on a tourné, il a disparu! Bon là-bas il y a des gens qui se promènent, tout ça, je vais pas aller les filmer. Bon, Lily Rose, de toute façon je vais régler ça avec, Peppa Pink. Parce que Peppa Pink te cherche aussi. Là j'ai mis tout le monde sur le coup. Normalement il te cherche là-bas. Parce qu'on s'est dit que... Mais c'est un ami quoi, c'est tout. Ouais mais c'est bizarre là cette histoire. Bah non. Il ressemble vraiment à l'ami là qui nous avait trahi et tout. Bon allez, ouais. Donc là les amis c'est parti. On va retourner à la maison, on va retrouver Peppa Pink. Ouais. Et j'ai autre chose à vous dire. Bon voilà, on a retrouvé Peppa Pink, il est là. Et où vous étiez? Cherché aussi Lily Rose dans le quartier. Ici. Ah là il faut clarifier quelque chose là. Bah quoi? Bah si, il faut clarifier quelque chose parce que je pense que Lily Rose est en train de revoir l'ami. Enfin, l'ami. Le faux ami qui était devenu ton pire ennemi. N'importe quoi. C'est vrai. Donc voilà, apparemment Lily Rose a décidé de revoir son pire ennemi. Alors je sais pas pourquoi. C'est la même personne, bah tu dois t'en souvenir. Je crois qu'on en avait pas parlé en vidéo. Pour éviter d'avoir plus de problèmes. Mais c'est le gars qui arrêtait pas de frapper à notre porte, qui arrêtait pas de lancer des œufs, etc. sur notre façade. Non. Et C'est pas possible. Bah de quoi c'est pas possible? Je le connais plus. Je l'ai vu dans ta story, il ressemble comme deux gouttes d'eau, il a les mêmes lunettes. Non mais c'est son frère en fait. La même paire de lunettes, etc. D'ailleurs j'espère qu'il... Oh non. Attends, j'ai entendu frapper là. Moi aussi. J'espère que c'est pas lui. Non mais c'est... Lily Rose. Mais c'est lui. Mais il est encore là. Laisse-moi regarder. Ah mais c'est une blague, pourquoi t'as repris contact avec lui? Non mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Si. Mais je te dis, je lui parle plus, là, c'est un pur hasard, là. Mais je t'ai vu, on a tout filmé. Vous étiez en train de discuter à deux. Quand je vous ai interpellé, vous vous êtes enfui. Attends, je vais dire un truc, là. Mais de quoi je vais dire un truc? Non, mais tu vas pas dire un truc, tu vas aller chercher. Non, c'est Peppa Pink. Je vais le chercher. Non, Peppa Pink, tu vas aller chercher, là, tout de suite. Non, ça va pas, moi, j'aime pas. Tu le fais monter. Hé, reste là. On va pas s'enfuir, là. On va bien le récupérer, je vais avoir des explications sur ce qui se passe. Mais il se passe rien! Bah si, il se passe quelque chose. Mais non. Il y a deux mois, c'était ton pire ennemi, il y a même pas deux mois, il y a un mois et demi. Mais ça a jamais été mon pire ennemi. Et là, je te vois en story privée sur Instagram. Même là. Pas dans ma story privée. Bah si, j'ai un faux compte, hein. je suis tes stories privées. Et là, je te vois faire des stories avec lui, là, dans l'espace vert, au parc et tout. Non mais... Tu me prends pour un fou après tout ce qu'il nous a fait et surtout que j'ai pas tout raconté aux abonnés. Attends, on va attendre qu'ils reviennent, je vais tout leur raconter de A à Z. Non mais attends, mais ils cassent tout. Non mais c'est quoi ça? Attends. D'ailleurs on va fermer la porte là, la fenêtre plutôt. Parce qu'il y a des travaux. Ah, il est là. Allez, c'est parti. Faut que tu me donnes mes pop-it. De quoi?
Non mais de quoi? Non mais tu sais très bien ce qu'il fait là, Lireuse, vous étiez en train de discuter mais tout non, à l'heure. Pas du si, elle me doit des paupettes qu'elle m'a cachées et elle a pas voulu me les rendre. Alors je suis venu jusqu'ici pour les chercher. Il y a encore une embrouille là. Si, c'est le paupite en forme de cœur. C'est la maîtresse qui l'a pris, elle te l'a donné, encore, c'est le mien. Encore une embrouille à cause de Poppy. Bah oui. Mais c'est lui là, moi je lui parle plus depuis comment, longtemps. Comment tu t'appelles? Je dirais pas mon prénom. Moi je veux juste mon Poppy. Non mais on va appeler. Attends. Il est en quelle classe? Il est en 6ème aussi, en 5ème là? Ouais, il a le même âge. Oui, il est super grand. C'est pas celui-là. Attends. Non mais on te permet pas de tout casser. S'il y avait un problème, il fallait le dire avant parce que... Mais c'est vrai parce que moi j'étais dans le parc et elle devait me rendre, elle m'a dit après les cours, je te rends, elle m'a pas rendu. Vous aviez l'air de bien vous amuser là tout à l'heure, quand vous discutiez. J'ai vu toutes les stories que vous avez fait là avec Lily Rose. Bah oui parce qu'elle m'a dit, oui je vais te le donner, donc moi j'ai cru qu'elle était gentille avec moi, mais en fait elle est méchante, elle est pas gentille. Non, on l'a donné au concert le poppy de cœur. Ah, c'est vrai que quand on a fait le concert, on a donné des poppies. On a donné le poppy de cœur en plus. Alors, tu as le choix. Bon ben voilà, en fait ça explique. En fait, Lily Rose, tu prends les affaires de tes amis et après ça nous cause des problèmes. Moi je prends ça. Regarde. Et t'es plus mon ami. Revenez. Oui, attends, parce que. De toute façon, on a jamais été. On doit parler d'autre chose. En juin, là, quand vous vous êtes embrouillé, là, quand il y a eu des problèmes, tu as jeté des œufs sur notre maison. Non, c'est pas vrai. Et moi, je me souviens d'autre chose, là. Tu as mis plein de trucs dans notre boîte aux lettres. Non, c'est pas vrai. Tu as mis des glaçons dans notre boîte aux lettres. C'est pas vrai. Du coup, tout le courrier était humide, était mouillé. C'est pas vrai. Si, t'as dessiné t'as dessiné sur notre voiture. Ça, on s'en souvient aussi. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est Antoine en plus, c'est même pas moi. De quoi c'est Antoine? Non mais franchement, votre bande de 2010 là, ça va pas. Mais non, mais en fait, Lily Rose, arrête avec ça. Non mais t'es tout aussi responsable. Mais non, pas si, du tout. C'est pas moi, c'est Antoine, il m'a dit je vais colorier la voiture. Moi j'ai pas pu faire, franchement. Mais là, mais stop, mais arrête, allez, range ça. C'est de ta faute. Il est pas beau. Mais il est géant. Il pue les fesses. Oh, non. Non mais c'est quoi ce vocabulaire là? Ouais. Ça se dit pas, on dirait un élève de maternelle là. Moi j'y vais, vous êtes pas gentil. Ouais, je te raccompagne. Lily Rose, je veux plus que tu lui parles, je sais pas pourquoi tu lui as donné rendez-vous au parc aujourd'hui. Là je pense que tu ne sors plus. Ah ok. Puni de sortie pour au moins le reste des vacances. Si c'est pour que tu rappelles tous tes pires ennemis qui nous ont fait plein de bêtises ici, qui ont cassé des choses chez nous, que tu les re-ramènes ici et que c'est encore le bazar, c'est plus possible. Bon écoute, là il vient de partir. Bah j'espère qu'il est parti. Ouais, j'espère que t'auras plus de problème avec... moi je veux pas entendre parler. C'est lui qui vient. Bon les amis, franchement, les pires ennemis de Lily Rose, je crois que c'est le pire truc qui puisse nous arriver pour que ce soit le bazar ici. J'espère qu'ils vont plus revenir. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez rigolé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. À commenter en nous disant si vous avez un ou une pire ennemie. Et surtout, cliquez sur une vidéo qui apparaît juste là. À la prochaine. Ou allez voir une autre de nos vidéos. Bye.